Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, enfin ce soir, je veux dire, je suis en train de m'amuser à essayer de crocheter une de mes serrures que j'avais dans un tiroir. J'ai regardé quelques vidéos sur internet et il faut savoir que bon, c'est. Il n'y a rien de logique à aller crocheter une serrure. Hein. Si on l'accroche, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Donc moi, je le fais. Comme ça, pour moi, pour essayer, pour le délire et tout ça, et voir si je suis capable de le faire. Je ne vous cache pas que j'ai fait plusieurs tentatives aujourd'hui, parce que j'ai commencé aujourd'hui, et je ne sais pas comment j'ai fait, je suis arrivé au moins trois fois à l'ouvrir. Alors la serrure, c'est une vraie serrure, hein, c'est une serrure de chez moi, et le cadenas, il n'est pas trafiqué, hein, c'est vraiment, voilà, c'est une serrure vachette. Et le seul truc que j'ai vu sur internet, il faut faire un genre de levier comme ça, avec, je vais dire, avec une baguette en fer dans les essuie-glaces. Et j'ai essayé de me faire un petit outil comme ça. Alors, je sais pas combien de temps ça va mettre pour l'ouvrir. Et voilà. En tout cas, je fais pas de triche, hein. Je fais pas de triche du tout, mais je sais, voilà. Alors, bon, allez, c'est parti, j'essaye. Alors bon, le but c'est de pousser les pistons. Alors tout à l'heure, il me semblait que j'ai. Alors faut pas avoir une poussée assez. Trop forte. Voilà, j'ai ouvert la serrure, donc je reprends la vidéo et je suis bien arrivé à l'ouvrir. Je fais ce petit outil là, vous voyez, oh, putain c'est chiant quand il n'y a pas de lampe, serrure, une serrure vachette. C'est une serrure vachette. Voilà, c'est filmé correctement. Et ce principe, enfin, ce principe, il faut faire un mouvement de levier comme ça. Et avec, je vais dire, le petit outil ici, il faut aller le foutre dedans et virer les pistons. Voilà, j'y suis arrivé. Je sais pas trop comment j'y suis arrivé, mais bon, voilà. Des fois, pour s'en sortir, il faut avoir un peu de chance. Voilà. Ça fera. J'espère que Pedro, mon ami, verra cette vidéo. Ça lui fera penser à son coffre-fort que j'ai réussi à ouvrir sans en ayant seulement le code. Et voilà. Allez, je vous laisse sur ma chaîne. Ne faites pas ça dans de mauvaises intentions. Hein, c'est interdit par la loi. Et au plaisir sur ma chaîne. Allez, ciao.